Et salut à tous et à toutes, c'est Malorus2 et aujourd'hui je vous présente le nouveau mode hivernal de World of Tanks. Donc c'est un mode composant trois chars, le mammouth, le polar bear, donc l'ours polaire, et l'article fox, le renard des neiges, que voici. Donc lui, pour son cas, c'est un char léger, un char lourd, un char léger chinois, un char lourd américain et un chasseur de chars français ressemblant aux Foch tout simplement. Et comme on est français, nous allons nous servir du Polar Bear. Donc c'est une bataille arcade en pixelisé, comme vous pouvez voir, avec écrit 2015, bien propre. C'est très joli. Mais sinon, qu'avons-nous à dire de plus? Deux types d'obus, des obus qui vous régénèrent quand vous tirez dessus pour 200 à peu près, et pour le cas de ce char, 1000 de dégâts par shoot à peu près, en sachant que les cibles ont 5000 ou bien moins, ça dépend. Donc comme d'hab, vous tirez dans les cubes pour avancer. Pour ceux qui avaient le Karl longtemps, c'est bien dommage qu'ils ne l'ont pas remis, le Karl, mais c'est pas grave. Un débutant, c'est pas que les blocs en les gros blocs, on peut pas les casser. Ce qui est fiché, c'est qu'on est assez vite coincé. Je sais pas ce qu'il me fait, il me saoule un peu. Ok, bon, raté mon tir. Donc là, il y a de la flotte. Je suppose que c'est lui qui est là. Je suppose que je pourrais pas l'avoir. Voilà, comme ça, prochain tir, je le verrai un petit peu mieux. On va même enlever celui-là. Ah là, il est pour moi. Voilà, là j'ai fait 1000 et quelques de dégâts. Un petit pour moi. James, celui-là. Donc ce petit son que vous entendez, bah, il est un peu chiant, mais on va pas y faire grand chose. C'est le petit bruit indiquant comme quoi on est en train de capturer. À la longue, c'est vrai que ça fait chier. À part toi, tu savais pas que dans l'eau, bah, on pouvait mourir. Ouais, quoi que je peux aller cap avec lui, hein. C'est parti. Évidemment, pas pris assez large. C'est un peu chiant ça dès qu'on est coincé. Voilà, comme ça on capturera plus vite. Notre base. Qui est ici présent, un trisomique mammouth qui finit la bataille. Voilà, donc vous avez à peu près à quoi ça ressemble.
Attention, c'est sur le deuxième combat avec le mammouth. Qu'est-ce que je vais te mettre en fait à toi? Tous leur mettre à arme, ça leur fera du bien. Bon, le moot-moot. Donc, lui, sa particularité, c'est qu'il a 5000 points de vie et qu'il tire 3 par 3 à chaque fois. Donc, il va nous permettre d'avancer amplement plus facilement dans les rangées ennemies. Alors, hop. Donc, on est tous bien alignés. Nous, on va aller creuser là-bas. Et après, je vais vous montrer le petit fox chinois là, qui est pas trop mal non plus, hein, il est sympa. J'ai été déçu parce que je croyais que les obus gold en fait permettaient de régénérer les alliés et pas soi-même. Un peu dommage, mais bon, moi j'ai des envies. Particulière. Lui, il m'a fait plus de dégâts que moi, je suis en feu. C'est intelligent, toi. Bon, tu te barres? Merci. C'est vrai qu'il n'y a pas de dégâts liés, hein. Autant que les obus servent. Ouh, toi je t'ai loupé de peu. Voilà, petite victoire. Les obus qui glissent un peu sur le côté à la fin de la bataille. Puis maintenant, nous allons prendre le petit fox. Le petit renard des neiges. Qui est très sympathique aussi, hein, de même. Après, c'est plus un petit jeu comme ça pour le fun, hein, que je ne sais quoi trop d'autre. Ouais, bon, bah, les bonus, on s'en fout. Let's go. Lui, sa particularité, il a une bonne cadence, mais c'est surtout sa vitesse. Bon, après, il n'a pas non plus
grand chose. J'aimais bien leur petit rallye qu'ils avaient fait, mais il aurait fallu qu'on ne puisse pas tirer sur les adversaires ou je sais pas. Un système plus avec des chars ordinaires, sauf qu'ils améliorent la vitesse quoi. C'était sympa, c'est sympa ce mini-jeu là. Ça nous change un peu du traditionnel. Donc lui il est très rapide, hein. C'est scout. Hein. Alors lui, il faut se servir de sa vitesse pour pouvoir éviter de se prendre le tir. Hein. Oh, il m'en a mis deux, un peu chelou, toi. On a mis qu'un, je me tire. Pour ce livre. Donc l'outil on va tester hein. Donc normalement ça me heal. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu que ça te rajoute des points de vie, hein. Ça me paraît même bizarre. Il nous en reste un AFK. Bon, sinon, sur ce, vous avez vu à peu près ce que ça donnait, que c'est assez rigolo. Ça peut vous amuser, ça peut vous sortir un peu du contexte World of Tanks habituel. Allez, salut à tous et salut à toutes, c'était Malorisde, et à la prochaine.